Bonjour à tout le monde, dépendamment où vous êtes. Il y a un chanteur qui s'appelle John Lennon. Le prof lui a demandé « Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, monsieur John Lennon ?» Et lui, il a dit « Je vais être heureux. » Et le prof, perplexe, il a dit « Est-ce que tu as compris la question ?» Et lui, il a répondu « C'est toi, monsieur, qui n'as pas compris la vie. » Ça, c'est un. Deux, dans la Bible, il y a quelque part où c'est écrit « Il faut protéger ton cœur. » Alors, c'est ça. Il est normal que tout le monde ne t'aime pas. Ils ne vont pas comprendre qui tu es. Parce que tu es spécial. Tu es quelqu'un. Tu es unique. Dans la vie, tu rencontreras des gens qui t'en critiqueront, parleront de toi. Il y aura même des disputes. Il peut même y avoir des disputes jusqu'à se faire du mal. Mais tu n'as pas à changer qui tu es pour gagner leur approbation. Ce qui compte, c'est d'être authentique, de rester fidèle à toi-même et de te concentrer sur ta propre croissance et ton bien-être, surtout ta propre croissance. Voilà, parce que ça va parler de soi. Donc, la première chose à comprendre, c'est que les opinions des autres ne définissent pas ta valeur. Non. Tu vaux mieux que ce qu'ils disent. Les gens parlent souvent à partir de leur propre insécurité, incompréhension, et cela ne reflète qui tu es vraiment. Accepte certaines critiques, parce que ça peut t'aider à évoluer. Mais, c'est ça. Mais pour celles qui sont malveillantes ou injustes, prends du recul. Laisse-les glisser. Ils vont glisser, ils vont partir. C'est ça. Il ne faut même pas se justifier. En restant toi-même, tu attireras des personnes qui te comprendront et t'aimeront pour qui tu es vraiment. Entoure-toi de celles-ci. Celles qui te soutiendront et qui te pousseront vers le haut, pas vers le bas. Alors, face aux critiques, privilégie le calme. Ne dis rien. Ne te justifie pas. Il faut être intègre. Évitez de justifier ou de vouloir blanchir ton nom à tout prix. Parce que certains, ils vont faire ça. Ils vont essayer à tout prix de se justifier, d'appeler celui-ci, de dire à celui-ci ceci, d'essayer d'être une bonne personne. Tu ne changeras rien parce que tu n'es pas dans leur tête. Je ne sais pas. Tu ne vas pas les changer de toute façon. La vérité finit toujours par se savoir. Ce qui compte, je ne pense pas que c'est d'aller se justifier. Non. Non. C'est ta sincérité et tes qualités. Sans que tu aies besoin de te défendre, concentre-toi sur tes objectifs, tes valeurs et laisse ton succès parler de ton bonheur. Le succès va parler. Les choses que tu veux, ça va parler de soi. Transforme les moments de doute ou de critique en motivation. Pour aller plus loin. Parfois, il suffit de prouver à soi-même que l'on peut surmonter ses épreuves pour en sortir plus fort. Parce que il faut être le meilleur de toi que tu méritais hier. C'est ça. Améliore-toi par rapport à hier. Pas par rapport aux autres, par rapport à toi-même. Rappelle-toi que ta valeur ne dépend ni des opinions, ni des commentaires des autres. Sois fier de qui tu es, des choix que tu fais, et continue d'avancer avec confiance. Voilà. Et chez Abois, la caravane passe. Et puis, tous ces problèmes, ça me donne de la confiance. On peut grandir avec. Mais surtout, il faut amener ça dans le côté positif. So, I'm out. We bridge the gap, love in motion. Thank you so much, Coach JP.